graphiquement, Chloé Cruchaudet, pour Mauvais Genre, vous avez essayé d'épurer, si ce n'est de styliser, mais d'épurer votre dessin au maximum? Ça m'a semblé plus pertinent de laisser un peu d'imagination par du lecteur et c'est vrai que d'avoir un trait imprécis, ça permet de tricher tout simplement parce que donc Paul, il est très reconnaissable dans mon dessin, je lui ai fait un très grand nez, mais si j'avais fait un dessin très réaliste, il y aurait encore eu un souci du vraisemblable, tandis que là c'est vrai que vu que mon dessin est à la base imprécis, de temps en temps quand il verse dans le côté de la féminité, je modifie finalement un petit peu le volume de son visage, etc., de manière imperceptible et ça se fait finalement plus facilement.